comment il travaille. Le truc que vous avez fait à Damien, ben on va peut-être retravailler la rythmique, mais ça c'est presque le message définitif. Ça peut hein? Tu peux me donner les ventes, s'il te plaît. Tu as Taxi Girl, le 33 tours de Taxi Girl, ainsi que la cassette de Taxi Girl. Ouais. Donc, les ventes ne sont pas bonnes. Ne sont pas aussi fortes, mais... On peut devenir manager quand on a 16 ans? Bah oui, parce que au départ, comme c'était un petit groupe, c'était simple. C'est-à-dire, bon, je m'occupais du matériel, des quelques concerts qu'il y avait de temps en temps, essayer de trouver une maison de disques. C'était un petit travail. Et puis, bon, la foi, je crois que c'est l'envie de le faire est une chose importante. Si on n'y croit pas, on ne peut pas le faire. Parce qu'au départ, à chaque fois que j'allais quelque part, les portes se fermaient. Alexis, 22 ans, entrepreneur de concert, producteur de disques et avant tout membre et manager de Taxi Girl. Je demandais aux gens qu'est-ce que tu penses de Taxi Girl, c'est bien, ça va marcher. En général, on me disait ouais, moyen, on sait pas, rien. Et ça m'a donné une envie de complètement le réussir. Ça m'a fait découvrir la haine que j'avais pas du tout au départ. Et j'ai découvert comme ça. C'est un sentiment que j'ai connu. Le pire truc pour un manager, c'est d'avoir affaire à une maison de disques con, quoi, qui va pas lui faciliter la tâche sur des conneries, genre. Les affiches, quand un disque sort, pas faire de presse et tout ça. Alors les maisons de disques en général sont complètement... les grandes maisons de disques sont un peu séniles, gâteuses même, je dirais. Je veux dire, elles vivent dans un passé du show business complètement horrible. Toute leur structure est construite sur des vieilles valeurs de la musique, en général de la variété. Et elles se sont complètement emmurées. Elles veulent pas vraiment découvrir ce qui se passe autre part. Donc ça permet aux nouvelles personnes, aux nouveaux groupes, aux nouvelles structures d'amener le pion. Les hit parades sont-ils bons? Il y a des hit parades. On n'a pas tout le temps, on n'a pas les hit de Europe et on n'a pas celui d'Arco. On est toujours dans le fin fond. Par contre, on a celui de Sud Radio. On est très fort à Sud Radio. Vous continuez à grimper. Je préfère être numéro 1 à RTL. Melbrook, Idriss Cheveux, voilà, Rick Azaray. Ah ouais, Taxi Girl. Voilà, je traite toutes les histoires d'argent, je veux dire, parce que le rock, et ça on le dit pas assez, le rock malheureusement et la musique est liée à l'argent. Je veux dire, l'argent ça représente du temps de studio, du matériel, de la promotion pour un groupe. Donc c'est important qu'un groupe vende des disques. Je veux dire, c'est pas non plus une entreprise philanthropique, il faut bien qu'on le sache. Et moi, je suis la personne qui est en relation avec le milieu de l'argent, c'est-à-dire les banques, les distributeurs de disques qui nous font des avances. Voilà. Et malgré votre âge, ils vous prennent au sérieux? Au début, ils étaient un petit peu étonnés. Quand ils se sont rendus compte que je pouvais être encore plus sérieux qu'eux, ça va maintenant. Même ils ont tendance à me prendre pour quelqu'un d'un peu dur. Pour une génération plus traditionnaliste, il pourrait apparaître comme un extraterrestre, à la fois au niveau vestimentaire et au niveau son mode d'expression qui est très codé d'une manière particulière. Donc c'est difficile de parler de lui en termes de défauts et de qualités. Il a les qualités de ses défauts, comme beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il est tenace jusqu'à l'obsession. Lorsqu'il se fixe un objectif, il utilise tous les moyens légaux, bien entendu, de l'atteindre. Il est en fait
sympathique par sa créativité, par sa faculté d'avoir tous les jours une idée différente. Et je pense qu'il, lorsqu'il a une idée, il se pose pas du tout la question de savoir si elle est réalisable ou pas. Et il est même déconcerté lorsqu'on lui dit qu'elle ne l'est pas. Et si elle ne l'est pas, bon, il va chercher les moyens de la réaliser. Sinon, le lendemain, il aura une nouvelle idée. Moi, je serais prêt à monter une maison d'édition, peut-être vendre des tableaux, n'importe quoi. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter qu'au disque. Le disque est une chose, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, c'est que du plastique dans un bout de carton au départ. Moi, je crois qu'il y a d'autres choses. Surtout pour le rock. Le rock n'est pas que la musique, c'est tout ce qui tourne autour. La mode, les vêtements, ça peut être le graphisme, la peinture, la photo. C'est plus une façon de vivre. On voudrait dire merci aux gens qu'on traite comme des chiens, mais qui sont revenus quand même pour nous voir. Qu'est-ce qui est à l'origine du rose bonbon? Marc Barrière, une autre personne qui s'appelait Jacky Pour, et moi-même. Voilà. Et pour la deuxième période, c'est Marc Barrière et moi, mais bon, là maintenant, je suis un peu... je n'ai plus rien à voir vraiment avec l'endroit. Ce qui le différencie de pas mal d'autres clubs, c'est que c'est un endroit où les groupes qui jouent ne sont pas forcément des groupes qui ont un contrat avec une maison de disques. C'est les groupes complètement au départ. Et ouais, 150% à peu près n'ont pas de maison de disques. Au moment où ils jouent là-bas, et c'est complètement une scène pour voir, ouais, pour voir ce qui va se passer dans les mois à venir. Ouais. Il y a des groupes qui ont démarré du Rose Bonbon, entre autres Les Civils. Il y a eu bon Taxi Girl au tout début. Et il y a eu d'autres groupes. Il y a Bijou qui a joué, Téléphone, Star Shooter. Je crois que tous les groupes français ont joué au Rose Bonbon. Je ne connais pas un groupe qui n'a pas joué pour le moment. On peut même regretter qu'il y ait simplement le Rose Bonbon. Quoi. Ouais, il devrait y avoir beaucoup plus. Il faudrait qu'il y ait au moins à Paris 3 ou 4 autres Rose Bonbon. Quoi. Le fait qu'il n'y a que le Rose Bonbon, ça donne au Rose Bonbon un monopole sur l'expression rock, ah, y a sur les petits groupes qui arrivent de province, etc. Ouais, c'est un monopole. Vous êtes donc aussi producteur d'autres groupes. Oui, pour Taxi Girl, donc pour la maison de disques de Taxi Girl, Les Civils, Burkamp, plein d'autres choses. Mais bon, c'est comme on organise des concerts, c'est assez vaste. Notre champ d'action ne s'arrête pas que à nous. On essaie d'élargir. Alors,
ça s'est passé il y a un peu plus d'un an, maintenant un an et demi. Laurent, le pianiste de Taxi Girl, m'a dit, tu sais, j'ai vu un groupe super, ça s'appelle Les Civils. Ce à quoi je lui ai répondu, bah, écoute, moi j'ai rencontré le chanteur il y a un mois, il m'avait été présenté par un commun qui s'appelait Gif. Merci Gif, parce que c'est lui qui m'a fait faire l'affaire, qui travaillait au bain-douche. Et c'est comme ça qu'on s'est branché avec Les Civils, c'est-à-dire on les connaissait de vue, mais pas bien. Alors bon, on est arrivé avec notre auréole Taxi Girl, et on, en même temps on montait notre maison de disques. Et comme eux n'arrivaient pas à signer, à faire de disques, nous on a tout de suite été séduits, parce qu'ils nous ont vraiment séduits, et on a fait le disque. Le studio, c'est un peu l'alchimie du rock, c'est tout à fait ça. C'est là où tout se transforme, c'est la potion magique, c'est la possibilité d'exploiter un autre univers sonore qui dépasse le cadre du groupe, ses amplis et ce qu'il fait. Tu peux voir, en réaccordant. Et en même temps, un producteur comme qualité première doit avoir d'essayer de restituer de la façon la plus proche et fidèle ce que veut exprimer le groupe au niveau sentiment, humainement, ne pas trop dénaturer le groupe, essayer de rester dans ce qu'il est et pas lui faire faire des choses qui sont pas à sa mesure. Parce que très souvent, il y a aussi ce problème, c'est que des groupes ont des disques extraordinaires et quand ils arrivent sur scène, ils sont pas capables de reproduire le disque. Ils ont toujours des sons qui sont à 300 km de ce qu'est le disque. Il faut faire la balance. Est-ce qu'il n'y a pas chez les gens de votre âge un très fort désir de gagner? Pour notre génération, c'est un petit peu, ouais, c'est un peu, c'est le refus de toute la culture des années 70, cette génération hippie, peace and love et tout ça. Je crois que c'est ça qui fait qu'on a envie que les choses réussissent. On essaie de pas trop être utopiste. Les années 70, c'était ça. Je veux dire, puisque ça a été complètement récupéré par la mode, le graphisme, la musique, les festivals bidons au nom du Peace and Love, je veux dire, qui ont été importants pour une génération, mais qui au départ ne sont que des entreprises de fric et de mégalos. J'aime pas trop le phénomène hippie. Vous vous voyez à 40 ans? Oui, mais pas dans le rock. Je veux pas faire un vieillard dans le rock, ça ne m'intéresse pas. Avec le plumet comme ça, pas pour moi. Ouais, je me vois père de famille avec des enfants et une femme. Au sein un peu lourd.